Donc, je m'appelle Vanessa Slimak, je suis éducatrice spécialisée et je travaille à l'ITEP Loret du Bois depuis 13 ans maintenant. La première, c'est d'être référente de plusieurs jeunes. Donc, je m'occupe d'articuler en fait leur quotidien, d'aménager leur emploi du temps, de voir avec les instituteurs comment les inscrire au mieux dans une scolarité, qu'elle soit à l'intérieur de l'ITEP ou à l'extérieur, de prendre contact avec mes collègues psy pour le mettre aussi dans leur emploi du temps. Et puis, je travaille aussi avec les familles. Voilà. Et sinon, une autre de mes missions, c'est d'exercer la journée, de tenir des ateliers. En fait, donc moi, je m'occupe du côté culturel, de tout ce qui est ouverture sur le monde. Donc ça comprend aussi bien les bibliothèques, les musées, les expositions. Tout ça pour les aider à progresser au quotidien et puis à apprendre de façon ludique. L'idée, c'est de pouvoir leur permettre d'apprendre de façon ludique. Ce que j'aime particulièrement, c'est le travail avec les familles qui permet vraiment de faire évoluer la situation du jeune. C'est quelque chose que je fais en binôme avec ma collègue psy et par le biais d'entretiens tout simplement, de rencontres avec les familles, on discute, on explique, on travaille sur les relations intrafamiliales, sur la situation du jeune et on a vraiment l'impression que ça fait progresser les choses. Mon projet professionnel pour l'instant, moi je me trouve toujours bien dans ce que je fais. J'ai pas mal d'opportunités au niveau du travail, notamment on travaille sur le dispositif ressources. Dispositif ressources, c'est aussi aller à la rencontre des partenaires à l'extérieur et expliquer nos pratiques, expliquer comment mieux prendre en charge les enfants qu'on a au quotidien à l'ITEP. Et donc, c'est faire de la formation, pour l'instant c'est de l'initiation, c'est pas encore de la formation, mais pouvoir aider les gens à mieux connaître le public, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Le travail d'équipe, le travail avec mes collègues, ce qui est porté au quotidien, et puis le fait de pouvoir avoir, d'être plusieurs à avoir un regard sur une situation, c'est quelque chose de riche, parce que je pense que tout seul on n'y arrive pas et qu'on a besoin des autres pour pouvoir estimer, juger, modeler, reformuler ce qu'on fait auprès des jeunes. Je trouve ça très important. Alors, c'est les valeurs véhiculées par les salariés, c'est l'humanisme, c'est la tolérance, c'est le respect, c'est le fait d'être attentif à l'autre et d'avoir envie d'accompagner. Donc, c'est tout ça, oui, c'est ce qui est porté au quotidien.